Bonjour à toutes et à tous et bonjour Camar. Bonjour. Comment ça va? Très bien. La grande forme? C'est jeudi. Oui. C'est jeudi, c'est génial. Moi j'aimerais, avant juste de démarrer, je vais faire un gros plan. Il va hurler, comment il s'appelle, Winnie. Il est mignon. Ouais, je vais faire un gros plan sur votre oreille. Montrez-nous votre oreille. Ouais, c'est ça. Allez, montrez-nous votre oreille. Je vais le cacher à mon grand-mère. Allez, voilà, voilà, vous la voyez. Donc je sais, c'est flou, mais pardon, Winnie, mais voilà, on essaie de faire un truc. Voilà. Donc il s'est fait un piercing. Est-ce que vous avez du piercing ailleurs? Oui. Ce matin, j'ai croisé tonton Jacques avant de venir. Et Dieu sait que je voulais vraiment le féliciter de son intervention dans vos ondes ce matin. Ouais. Et tonton Jacques, franchement, bien, la classe quand même, ton passage. Mais ce n'était pas moi. C'était mon frère Daniel. Mais à chaque fois, mais tonton Jacques, à chaque fois, je confonds, je ne sais pas qui est qui. Oui, mais c'est simple de nous reconnaître. Lui, c'est Van, moi, c'est Dame. Double ou Van Damme. N'importe quoi. Non, il y en a un des deux qui dit pas de conneries. On ne dira pas lequel. Après chasser les trucs. Les écoles en ruine, une pétition, appel au secours à Baudis. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur Baudis, monsieur Dominique Baudis, s'il vous plaît, nos écoles puent, le poisson, les caniveaux, les écoles. C'est en ruine, les écoles sont en train de tomber. Alice Amada nous a la. Et puis, bien sûr, Dominique Baudis qui dit moi, franchement, je comprends rien. Ok, donc il faut savoir ce que vous voulez. Déjà, on vous l'a dit au ministère de l'Outre-mer que l'État a besoin de 150 millions. Donc, on est tous dans la merde. Ok, et puis il faut savoir ce que vous voulez, les Maorés là. D'un coup, vie chère, d'un coup, enfin, mineurs isolés, d'un coup, immigration, d'un coup, je sais pas, moi, majoration, indexation, mais il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Mais vous êtes un défenseur de droit, messieurs. Ah bon, enfin, je suis défenseur, mais pour l'instant, c'est pas moi qui place l'attaque. Hein. Je peux te dire que pour l'instant, je suis dans le banc des rats plein sang. voilà, donc... Prends ça. Donc, on est tous dans la merde. Donc, du coup, ben, écoutez, nous autres politiques, Abdou, Amada, Saïd, Amina, rentrons chez nous et allons mourir en paix. Ouais, parce que Mayotte, on est loin de sortir des emmerdes, hein, quand même. C'est pas faux ce qu'il dit. Contrôle technique, Mayotte est le département où le contrôle technique coûte la peau des fesses. Ouais. Le plus cher apparemment. Ah ben oui, ça c'est bizarre. Mmh. C'est vrai que quand on regarde nos nids de poules, quand on regarde... Mais tout ça c'est compté. Hein. Mmh. Ah ouais, quand on arrive comme ça, chez le garagiste ou peu importe, voilà, contrôle technique. Ah ben oh, monsieur, déjà, vous avez pris 15 000 nids de poules dans l'année. Donc voilà, d'ailleurs, une fois j'étais comme ça en train d'assister à une contrôle technique et il y a un couple de gays qui est arrivé. Hein, donc, Je crains le pire. Moi aussi. Allez-y, allez-y. Donc ils sont arrivés, bon voilà, et puis le mec avait commencé déjà son contrôle technique, donc il dit bon, messieurs, vous voulez que je vous mette quoi, quelle marque d'huile vous aimeriez en tout cas pour votre moteur? Et bon, le couple de gays bien sûr leur a répondu, bon, on aimerait bien quand même la marque Eagle, hein, parce qu'avec Eagle on décolle, hein, franchement on s'envole, hein. Ça c'est clair, il a dit. Ah, ça c'est pire que il a dit, ah non, moi j'ai mieux, hein. Je vais vous mettre de la motule, hein, parce qu'avec... Non, 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 j'en étais sûr. Continuez, il vous reste une minute, Camar. Voilà, les femmes leaders continuent bien sûr à proposer des sandwichs à la salade et en concombre. Mmh. Donc après avoir proposé à la mairie, personne n'a acheté ces sandwichs, donc parce qu'ils ont tous pris la porte de derrière, hein. Les issues de secours. Donc hier, c'était autour de la CCI. Hein. Donc des salades sur les escaliers de la, ouais, CCI, des concombres, des tomates, des choux. Mais pareil, hein, Norbert Martinez et son équipe ont pris les issues de secours. Ils sont passés par la place Mariage. Vous avez vu les salades mesquines? Les salades, ça fait déjà 4 jours qu'ils sont sous le soleil et ils veulent qu'on les achète. Non, ils ne veulent pas que vous achetez des salades. Ils veulent vous faire comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des vendeurs à la sauvette, des vendeurs ambulants ou j'en sais rien. Donc du coup, cette fois-ci, franchement, moi je propose aux femmes leaders qu'on amène tous ces sandwichs-là, qu'on rentre directement dans les bureaux, on fait du porte-à-porte. Bonjour, c'est pour votre salade du jour. Ouais. Je sais pas qui c'est qui vend des salades en ce moment. On était bien avec les femmes leaders. Mais on était surtout bien avec les salades. Ouais, on était très très bien. Alors avec les salades. Alors cette fois-ci, on est avec les salades. Alors, on est dans la merde.